Messieurs, je crois avoir trouvé la solution à notre problème. Ou plutôt, c'est Ulysse qui l'a trouvé. Ulysse qui ? C'est un nouveau ? Le héros grec, sombre idiot. Écoutez, voilà mon plan. Nous entrerons dans le fort de Silas, déguisés en soldats. Une fois à l'intérieur, nous libérerons les Indiens et tuerons l'esclavagiste. Plutôt risqué. Ça me plaît. Bien. Commençons. Tout d'abord, nous devons trouver un convoi. Le convoi ne va plus tarder. Vous attaquerez à mon signal. À vos ordres, sœur. Agissons avec précision, et nous les prendrons tous par surprise. Que se passe-t-il ? Charles, tu assureras l'avant-garde avec William. Ne laissez personne nous atteindre. Et moi, je fais quoi ? Toi et John, vous suivez à distance en gardant un œil sur nos arrières. Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vous. Nous sommes venus t'aider, ainsi que tes frères détenus au fort de Southgate. Libère-moi. Pas avant d'être entré. Je ne veux pas risquer de problème à la porte du fort. Tout ira bien. Je te le promets. Le Boston Weekly Advertiser, Openi, bien défendu. Sais-tu comment Silas s'est organisé ? De combien d'hommes il dispose ? En quoi consistent ses défenses ? Tu dois être très importante à ses yeux pour qu'il t'accorde une escorte. Ethan, des ennemis arrivent. Dois-je les attaquer ? Non. Laissez Jonathan et Thomas se charger d'eux. À vos ordres. Tu te méfies de nous. Je comprends que tu peines à m'accorder ta confiance. Tant pis. Tous à l'attaque !
Silas. Maintenez-les au loin. La faucheuse vient te chercher. Prenez garde. De la viande fraîche. Bien entendu. Donnez mon ordre et je les mets en pièces. Un instant, toi. Tu es nouveau. Qui est ton officier? Tous à l'attaque! La faucheuse vient te chercher. La voie est libre! Halte ! Bonsoir, messieurs. Que venez-vous faire ? Livraison pour Silas. Allez-y. Tu vois, je te libère comme promis. Maintenant, j'aimerais pouvoir... Laisse-la. Mais elle va nous trahir! Non, je ne crois pas. Quel est le plan? Libérer les prisonniers sans se faire repérer. Et pour Silas? La mort. Vous serez prêts, faites-nous signe. Vous serez prêts, faites-nous signe. Bonjour. Comment se passe la garde? Tu es qui, toi? Thomas Smith, qui a ton capturé, une nouvelle recrue. De quoi? J'arrive de Londres, débarqué il y a une semaine. Hein? Pardon? Et tu viens en patrouille avec mon peu de tenue. J'obéis à Silas. T'es qui pour me dire ça, toi? Bon, j'imagine que notre tâche est plus simple. On s'assure que tout aille bien et on maintient l'ordre. Là, c'est ton talent. La marque en commence. Si on n'a pas jugé bon de t'en parler, on t'envoie ta fermée et t'obéis de vous en parler. Des campagnes en Europe. Pourquoi croit-il qu'il y a autant de volontaires? La solde, les bottes et le travail sans danger. Les Français pour les chanter. Ils ont l'air de se plaire dans le Nord. Je me demande si c'est pas nous qui les provoquons avec nos expéditions. C'est exactement ce qu'ils veulent croire. C'est dommage. Thank you.
Désolé d'arriver si tard. C'est Cutter qui m'a retenu. Tu connais Cutter? Qui m'a trouvé ce poste, à ton avis? On est comme des frères, lui et moi. Bon, qu'est-ce qu'il attend de nous, Silas? Il faut se mettre pour les prisonniers. J'avais demandé une heure de calme, mais je suis réveillé au bout de 10 minutes par cette cacophonie. J'exige qu'on me donne une explication, et faites qu'elle soit bonne. Quoi? Comment est-ce arrivé? On a libéré ma précieuse marchandise? C'était tolérable? J'aurai la tête des responsables, soyez-en sûrs! Mais avant, nettoyez-moi tout ça! Bouclez le fort, tuez ceux qui cherchent à s'enfuir. Je me moque qu'ils soient avec nous ou contre nous. Quiconque approchera de la porte le paiera de sa vie. C'est compris? Repoussez-les! La voie est libre, Ethan. On retient les gardes. Allez vous occuper de Silas.
Benjamin! Content de vous avoir parmi nous. Venez m'aider. L'ordre ne connaît pas la défaite. Etam Kenway. Vous ne me connaissez pas. Je crois que l'individu ici présent vous est familier. Je t'ai fait une promesse, Silas, et je compte la tenir. Maintenant. Attendre. Le moins longtemps possible, je l'espère. Nous avons libéré les prisonniers Mohawk voilà maintenant plusieurs semaines. J'espérais que leur chef se manifesterait, mais nous n'avons eu droit qu'à son silence. Mes hommes s'impatientent. Ils veulent poursuivre notre œuvre. Et je n'ai rien à leur dire. Seul Lee s'active. Il suit les pistes les plus ténues. Il parcourt les rues de la ville et les forêts voisines, espérant rencontrer l'un de ceux que nous avons sauvés. Cette nuit-là, il y avait une femme. C'est elle qui a conduit les autres à l'abri. Si nous la retrouvons, j'aurai mes réponses. Alors j'attends et j'observe, dans l'espoir que ma vraie mission commence enfin.